Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue sur les produits iHerb que vous aimez tant et que j'ai acheté. Alors, je diversifie, j'essaye de reprendre de prendre des produits que je n'ai pas utilisés, de diverses marques, des nouveautés. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de nouvelles choses, dont deux nouvelles marques que vous n'avez pas encore pu observer sur mes diverses revues. Donc on va y aller. Alors on va commencer par ce qui est pour le corps. On fait un peu du moins important au plus important parce qu'après on va passer aux cheveux. Alors pour le corps, je me suis pris trois crèmes. Alors il y a Coconut, Spicy Vanilla et Tropical Coconut de chez Desert Essence. Donc je vous les montre un par un parce que ma peau est du genre à tirailler et à sécher lorsque je ne mets pas de crème. Donc certains d'entre vous se reconnaîtront, elles ne peuvent pas faire sans crème parce que sinon c'est la catastrophe, on se retrouve avec une peau de crocodile été comme hiver et voilà, c'est pas top. L'idéal avec ces trois crèmes, bon j'en ai testé que celle-ci. Donc tout d'abord Tropical Coconut, vous retrouvez une odeur de coco ananas qui est vraiment très très chouette, très très chouette, ça vous emporte, voilà, ça fait penser à l'été, c'est vraiment très chouette parce qu'il fait vraiment moche dehors, donc ça vous met un petit peu le sourire aux lèvres quand vous vous en mettez. Alors, petite chose, donc celui-ci est relaxant, nourrissant et ici uplifting, apparemment inspirant, je vois pas trop pourquoi inspirant, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, très sympa. Après bon, j'ai pas testé cela, mais je suppose que les odeurs sont aussi vraiment à craquer. L'idéal c'est qu'on peut l'utiliser printemps-été quand il fait un petit peu chaud, parce que la texture est vraiment très facile à faire pénétrer, elle pénètre vraiment super facilement, vous prenez pas 3000 ans à la faire pénétrer, c'est vraiment déjà l'idéal. Aussi n'en mettez pas 3 tonnes parce que la texture est blanche, donc quand vous appliquez ça fait blanc tout simplement, mais ça finit par vite pénétrer, donc mettez-en pas trop, c'est pas utile quoi. Donc voilà, trois crèmes qui sont pas mal du tout, voilà, j'aime beaucoup. Alors maintenant on va passer aux cheveux. Les deux marques que je vais vous faire découvrir, ce sera pour la fin, ce sera un petit bonus entre guillemets. Alors j'ai choisi des produits en fonction des avis, mais pas que, mais aussi par rapport à leurs propriétés. Alors, il y a le Avalon Organics Thickening Conditioner Biotin B-Complex Therapy. Alors, que vous retrouvez ici? Alors, nouvelle formule. Malheureusement, les avis étaient très 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 positifs selon l'ancienne formule. Et apparemment, la nouvelle formule ne plaît plus aux consommatrices et elles sont un peu déçues. Moi, je ne me suis pas arrêtée là. Je ne me suis pas arrêtée là parce que ce conditionneur apporte, voilà, renforce vos cheveux, évite l'affinement, donne du volume, apparemment favorise la pousse des cheveux, donc vraiment je trouvais exceptionnel. Donc apparemment il est aussi nourrissant, je trouve que ça peut convenir à tout type de cheveux. Pour moi il n'y a pas de limite par rapport à cet après shampoing, mais par contre je ne l'utilise pas en tant que tel. Parce que un après shampoing en général vous mettez sur longueur et pointe et ça aura du mal à faire pousser vos cheveux si vous mettez effectivement sur longueur et pointe. Donc l'idéal c'est d'utiliser en tant que masque avant shampoing sur cheveux humides. Donc j'en mets par contre, ouais, j'en mets petite dose par petite dose, je masse bien les racines, donc je prends mon temps, je fais bien un petit massage avec mes doigts pour essayer de stimuler le cuir chevelu en même temps et en faisant pénétrer le produit. J'en mets aussi sur mes longueurs, sur mes pointes, j'en mets quand même une bonne dose. J'attache mes cheveux, je laisse poser minimum une heure, je vous recommande une heure parce qu'effectivement ça peut pas faire effet si vous laissez juste 2 minutes, ça sert à rien. Donc je laisse une bonne heure, ensuite je rince, je fais mon shampoing, après shampoing si nécessaire et voilà, basta. Ensuite une petite chose que je trouve un peu dommage, c'est le système clip-clap. Le truc c'est que là en fait il arrive ici, j'ai déjà utilisé une bonne partie et si vous laissez la tête debout, il n'y a rien qui tombe quoi en fait, c'est ça le gros problème. Donc ce qu'il va falloir que je fasse c'est que le secouer tête en bas et essayer de mettre ça dans une sorte de petite coupelle le jour où je vais utiliser pour pouvoir justement avoir la dose nécessaire, parce qu'à chaque fois je suis en train de secouer, m'énerver au-dessus de la baignoire. Donc voilà, je trouve ça dommage, ou bien trouver un système à pompe pour essayer de prélever le produit parce que sinon c'est ça. C'est une perte de temps quand même. Donc effectivement,
Vous retrouverez pas l'effet conditionneur parce que ben effectivement un après-shampoing ça sert à démêler les cheveux, les nourrir. Vous sentez quand même un aspect qui entoure un peu la fibre capillaire, un petit peu gras. Vous savez que vous en avez mis partout, tandis que cet après-shampoing est différent. C'est vrai que l'aspect est un peu bizarre, tellement bizarre que vous avez l'impression de ne jamais en mettre sur vos cheveux. Donc bien sûr, faut pas non plus insister, mettre la moitié de la bouteille sur vos cheveux. Mais c'est vrai qu'on retrouve pas l'effet conditionneur, donc je comprends que ces filles soient déçues parce qu'effectivement, ils ne démêlent pas les cheveux. Donc je vous recommande quand même de prendre un après-shampoing à côté. Donc apparemment, comme je disais, il aide à la pousse des cheveux. Bon, effectivement, je peux pas vous faire tout de suite une revue dessus, mais je ferai une revue tout spécialement sur ce produit pour savoir s'il a fonctionné ou pas. Donc l'idéal, bon, comme je disais, c'est de mettre sur les racines. Niveau volume, alors là, le volume c'est chouette. Je recommande pour les cheveux fins, épais, bah à la limite, si vous voulez un peu plus de volume, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous ne recherchez pas le volume, évitez. C'est un conseil parce que sinon, vous allez être un petit peu surprise. Alors voilà un petit peu pour le côté volume. Niveau affinement et renforcement des cheveux, bah écoutez, moi pour le moment j'ai toujours pas de souci d'affinement de pointe. Elle reste bien épaisse, donc bon, je peux pas dire que c'est grâce au produit parce qu'il y a aussi d'autres produits que j'utilise à côté, mais je pense que ça y participe. Voilà. Donc je reviendrai dessus sur une revue tout spécialement sur ce produit. Voilà. Ensuite. Sur les produits que vous connaissez encore, Aubrey Organics, le Blue Green Algae Conditioning Mask. Alors, c'est un masque à base de spiruline, qui est une algue marine, donc qu'on retrouve également en poudre sur le site Aromazone. Donc, c'est un pot de 118 ml. Donc, je recommande pour les cheveux qui sont plutôt fins à normaux, qui ont tendance à s'affiner, à s'abîmer rapidement. Ça peut aider à les renforcer et ça leur fait vraiment pas mal de bien. Donc, je vous montre un petit peu la texture. La texture et la couleur. Donc, vraiment marron. Donc, j'ai utilisé deux fois jusqu'à maintenant, dont une fois aujourd'hui. Donc, effectivement, ne vous attendez pas à une odeur de rose ou de jonquille ou je ne sais trop quoi, parce que ça sent vraiment l'algue. Alors ça sent le poisson évidemment, donc ça sent un peu spécial, ça sent, je sais pas, un mélange d'odeurs qui est un peu dérangeante pour certaines. Si vraiment vous êtes très sensible du nez ou si vous êtes tendance à être migraineuse, je vous recommande pas forcément ce masque. Mais si comme moi ça vous dérange pas plus que ça, bah allez-y. Allez-y, tentez quand même parce que il est super bien noté. Super bien noté, vous allez me dire 118 ml, c'est quand même pas beaucoup, regardez par rapport à ma tête. Ça fait vraiment très peu. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Franchement, petite dose par petite dose, j'en mets sur mes racines, longueur et pointe. Sur cheveux toujours humides avant le shampoing. Donc ils disent de laisser poser un quart d'heure. Donc jusqu'à maintenant j'ai laissé poser un quart d'heure parce que j'avais pas trop le temps. Mais c'est vrai que ça sent pas top. Hein. Donc c'est Hair Rescue, donc c'est pour les cheveux secs, secs, abîmés. Ou genre par exemple si vous passez le lisseur ou des choses comme ça, c'est censé réparer vos cheveux. Bon, effectivement, moi j'attends pas le côté réparateur parce que pour moi aucun produit ne répare les cheveux. Faut pas non plus trop espérer. Mais le côté fortifiant de ce masque pour, et encore une fois, mes longueurs et pointes pour éviter qu'elles ne s'affinent trop et que je doive les couper. Donc effectivement, il est pas mal. Il fait bien son job. Il nourrit bien les cheveux. Je veux dire, il est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant, à continuer. En deux utilisations, comme vous pouvez voir, pour ma longueur quand même, j'en ai pas utilisé énormément. Donc je pense quand même qu'il peut faire une dizaine, voire une quinzaine d'applications si vous y allez pas. Trop fort, je veux dire, faut pas foutre sa main dedans et en prendre 3 tonnes, mais vraiment plonger ses doigts et c'est juste le nécessaire. Donc par contre, vous aurez également pas l'impression d'en mettre partout, mais ne vous inquiétez pas, il s'étale vraiment partout comme il faut, mais juste que bah, vous n'avez pas cette impression-là, donc n'en mettez pas plus, c'est pas nécessaire. C'est pas parce que vous mettez 3 fois plus de masque qu'il fonctionnera mieux, pas du tout. Donc voilà. J'en ferai également une petite revue pour voir si sur le long terme il a bien fortifié mes cheveux et s'il a bien fait son job de Hair Rescue. Voilà. Ensuite, deux marques que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peut-être mais que moi je ne connaissais pas. Alors il y a Hugo Naturals qui propose des sprays que je vais vous montrer en petit et en grand format.
Donc d'un côté, on a ici à la lavande et ici orange vanillé. Donc deux senteurs totalement différentes. Je recommande pour tout type de cheveux. Ça ne se met pas seulement sur les cheveux. En fait, c'est tout simplement un mélange d'eau et de fragrance. Donc on a côté lavande et orange vanillé, qui sont toutes les deux de très bonnes odeurs, mais j'aime beaucoup celle orange vanillée, que je prendrai en plus grand format, ça c'est sûr. Donc, qui permet de parfumer vos cheveux, vos vêtements, votre literie, ça sert vraiment à tout. Si bien c'est tout simplement de l'eau qui est aromatisée, donc vraiment aucun risque. Donc moi j'en mets sur mes cheveux, donc par exemple après le fameux masque d'Aubrey Organics, parce qu'il sent encore un petit peu. Donc tout à l'heure j'ai mis un petit peu de lavande par-dessus pour essayer de camoufler l'odeur. Donc je pense notamment aux filles qui fument ou qui travaillent en restauration ou qui ont des odeurs sur leurs cheveux et qui veulent s'en débarrasser temporairement. Donc effectivement ça marche pas pendant 3000 ans, faut en remettre, mais c'est vraiment très sympathique et ça a une composition naturelle, donc vraiment aucun souci. Donc de chez Hugo Naturals. Donc voilà, très très bien. En plus, ça se transporte partout, donc en petit format, c'est vraiment très sympathique. Ensuite, je vais penser aux Miss qui ont les cheveux bouclés, bouclés, ondulés, qui forment des vagues et qui souhaitent garder cette texture-là. En général, vos boucles se détendent au fur et à mesure, donc j'ai trouvé un produit qui est très sympathique, mais qui peut aussi s'utiliser sur cheveux lisses, évidemment, parce que je l'ai utilisé moi-même, donc voilà. C'est très bien pour mettre vos coiffures en place, donc également si pour une occasion vous voulez vous boucler les cheveux ou quelque chose comme ça peut être vraiment très sympathique. Donc c'est une fille qui m'en a parlé sur le blog, qui me disait oui, moi j'ai acheté de la mousse coiffante de chez Suncoat. Donc qui se présente comme ceci. Suncoat. Donc qui est un produit également qui est fait à base de sucre. Voilà. C'est une mousse coiffante à base de sucre totalement naturelle. Donc vous ne retrouvez pas tous les silicones, parabènes et PEG que vous retrouvez dans vos produits coiffants habituels. Donc vraiment très sympathique. Une alternative qui est pas mal du tout et vraiment chouette. Donc pour celles qui souhaitaient peut-être avoir les tarifs, je vous invite à regarder en barre d'infos parce qu'évidemment vous regardez aussi en fonction du prix, ce qui est tout à fait normal. Donc très très bien, une mousse tout à fait normale, tenue moyenne, on ne demande pas non plus une tenue extra forte, mais qui tient vraiment très bien et qui s'en va au brossage, ce qui est vraiment l'idéal. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés comme sur cheveux secs, sur racines, longueur et pointe. La petite chose qui est très sympa, odeur de menthe, moi j'aime beaucoup. Une odeur un peu mentholée qui est vraiment très sympa, qui donne une bonne odeur aux cheveux, qui est enrichie en protéines de lin et vitamine E. Et toujours dans la même gamme, un spray fixant coiffant naturel, toujours de la même marque, donc pour tout type de cheveux également, qui maintient bien vos coiffures. Donc voilà, toujours très très bien. Je recommande plus celui-ci quand même pour cheveux ondulés, bouclés, voilà, tendance à avoir une forme. Et plutôt, lui, plutôt pour les cheveux lisses ou par exemple si vous lissez les cheveux ou quelque chose comme ça pour maintenir votre coiffure. Vraiment très sympa, tous les deux une excellente odeur et très bonne composition. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai acheté. Franchement, jusqu'à maintenant, aucune déception. Je suis vraiment ravie de ces découvertes, vraiment pas mal du tout. Comme vous voyez, j'essaye de me diriger aussi vers d'autres marques qui sont forcément un peu moins connues, mais qui j'espère connaîtront le succès parce que franchement, je trouve qu'ils ont leur chance. Je pense à Hugo Naturals et Suncoat, qui sont vraiment d'excellentes marques, de qualité et qui font du bien à vos cheveux évidemment. Donc pour celles donc, qui sont intéressées par les tarifs, je vous invite donc à aller en barre d'infos. Et si l'un de ces produits vous intéresse et que vous souhaitez commander, je vous invite à utiliser mon code qui vous permet d'avoir 5 à 10 dollars en fonction du montant de votre commande. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus!